Assalamu alaikum. Donc, le deuxième vidéo concerne les alluvions. Mais on est dans la formation de l'hydrologie, l'hydraulique et l'assainissement. Donc, une alluvion, inondation, est un dépôt de débris, de sédiments, tels du sable, comme sable, de la base, de l'argile, des galets, des limons, des phosphores, ou des gravières transportées par de l'eau courante. Au mouvement. Les alluvions peuvent se déposer dans le lit de cours d'eau ou s'accumulent ou la dans un point de rupture de pente. La quantité d'alluvions transportée par un cours d'eau dépend principalement de sa vitesse. Le premier facteur qui le transport des alluvions est la vitesse de l'eau. Ou là, le type de sol. Et son importance. Par exemple, le très important des fleuves le Wajan, ils ont transporté 796 milliards de tonnes d'alluvions chaque année. Le fleuve Jaune, qui est une quantité milliards de tonnes, milliards tonnes d'alluvions. هذه ليماج غادي كليتري ان بو لي زاليفيون دونك عندنا واحد لو كور ولا واحد الباساج ديال واحد الشمان ديال الواد دونك الواد نتاعنا كيدوز من هنا هذا واد استان واد دونك فوالا لي سيديمون او بيان لي زاليفيون دونك هادو لي زاليفيون اش كيدير الواد فاش يكون اون موفمون ولا تيكون اون كور il va transporter هاد لي زاليفيون هادو وكيديهم لونتر بلاص. On distingue plusieurs types d'alluvions, les alluvions fluviatiles qui sont déposées par un fleuve ou une rivière, ou là les fleuves fluvia-glaciaires qui sont déposés par l'eau de fond d'un glacier, et dernièrement les alluvions fluvio-marins qui accumulent dans les estuaires. Donc lorsque le dépôt alluvial a la forme d'un éventuel, on parle de cône de déjection. Donc voilà, on peut voir qu'il va transporter les alluvions. Donc, il déroule un autre point. C'est un problème pour les constructions des barrages qui est le mouchkil. Il y en a l'ouad qui j'ai des millions ou des tonnes d'îles. دي مليار ديال لي طون ديال لي زاليفيونيست وكيحطهم في ان باراج وداك الباراج مع دار الترسب ان سيغتان مومون كيولي عامر غير بالطين عامر غير عامر غير بالغيس وهادشي سو كيفي انك ممكن تسمع مثلا في الاخبار بان راه الباراج راه عامر 100% ولكن راه كاين واحد 50% ولا 60% كلها على زو فورم ديال لي زاليفيونيست وهاد القضيه مثلا حتى المغرب عنده لينا عنده مشكل انا المغرب عنده بزاف ديال لي باراج دوك لي باراج كلهم يعني بداو كيعمروا بلي زاليفيونيست دونك خصنا واحد تريتمون ديال لي باراج باش نقيو واللوكو تاعو غالي بزاف باش دير واحد اونتروتيان ديال الباراج سي ديفيسيل حيت لو مونط تقريبا ديال لونتروتيان ديال الباراج سي لو ميم مونطون ديال لا كونستركسيون ديال الباراج دونك سي ديفيسيل وحتى لي زونتربريز قلال يلا كنعرف شركه واحده يابانيه هي اللي كنعرف كدير لونتروتيان ديال الباراج ما كنعرفش صراحه شي اونتربريز اخرى كدير لونتروتيان ديال الباراج. L'exploitation minérale. Les alluvions peuvent être utilisés en tant que granulats dans les bétons. Ils sont alors qualifiés de granulats naturels et subissent une étape de la lavage à l'eau. Afin d'éliminer les particules argileuses nuisibles aux propriétés mécaniques du béton et de criblage, tri en différentes classes granulométrées avant utilisation. L'exploitation traditionnelle en diamant et Sierra Leone dans des alluvions. Des métaux des pierres rares ou précieuses sont transportés par des cours d'eau, puis se déposent dans les alluvions. Ces gisements sont appelés placés. Leur exploitation se fait soit à la main grâce à un bâté. Un bâté ou un pan américain, soit par un traitement mécanisé. Ainsi, on peut notamment trouver de l'or dans le lit de certaines rivières. Donc l'intérêt agricole. Les alluvions peuvent constituer des plaines alluviales très fertiles. C'est une ressource importante d'éléments
une nutritive pour les végétaux. Ils ont ainsi, par exemple, le Nil dans les creux, dans les cris, déposant des temps d'alléviant et rythmé. Donc, fait, tu comptes les chiffres dans le que j'ai mis à Bzef. La vie agricole de l'ancienne Égypte, c'est une des raisons principales de l'essor de civilisation de l'Égypte et antique. Aquifères, les alléviens constitués des aquifères, utiles pour l'approvisionnement en eau, 45% d'eau souterraine prélevée en France provenant d'une nappe dans ce terrain alluviale. Problème écologique, les barrages sont beaucoup critiqués car ils accumulent les alluvions et empêchent notamment la circulation d'éléments qui enrichissent les terres arables. La construction des hauts barrages, la Souham, les 15 mètres, a par exemple eu des conséquences importantes sur la fertilité des terres situées en aval. D'autre part, les alluvions peuvent aussi contenir des produits chimiques. Toute autre pollution. J'espère qu'on a tout comme l'aider à les alléviants, ou sinon les types ou dès qu'il y a des remarques, j'espère dire en commentaire. Merci.